Les amis, je commence cette vidéo parce que quelque chose m'a interpellé dans la villa d'Estia. C'est vrai qu'en ce moment, il se passe pas mal de choses horribles dans cette villa, mais aujourd'hui, je sais pas si c'est horrible ou non. Mais c'est vrai qu'expliquer comme ça, c'est un petit peu compliqué. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais directement me munir de mes pouvoirs. Et vous connaissez cet appareil que j'ai dans la main, le caméra monitor. Donc, regardez, si je vais sur la caméra numéro 3 du caméra monitor, on peut voir qu'on est dans le tunnel de la Villa Lestia. Mais en effet, quelque chose est assez bizarre. Regardez tout au fond de ce tunnel. On dirait comme un portail de poison qui s'est créé. En fait, l'embêtant, c'est que derrière ce portail de poison, j'ai pu remarquer qu'il y a de la lave. Mais comme vous savez, j'ai le pouvoir du feu et de la lave. La lave ne me fait aucun dégât, mais le poison, je ne peux pas le traverser. Donc les amis, c'est quand même assez étrange des rails avec ce portail juste derrière. Donc moi, avant de commencer, bien évidemment, je vous invite à vous abonner en mettant le fond vert juste derrière moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, il est temps de le faire parce que je sais que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonné. Et vous pouvez rejoindre tous les réseaux sociaux, Instagram, Discord et TikTok, vous connaissez. Bon allez, bref, les amis, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les membres de la famille. Il me semble que vu qu'aujourd'hui il y a Petit Caribou, tout le monde s'est réuni dans la cuisine, on se demande bien pourquoi, c'est assez étrange. Coucou Océane, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Je te laisse me rejoindre dans la cuisine. Ah ouais, Petit Caribou est bien là, il a bien marqué son territoire. Ça va bien? Bah ça va et toi Petit Caribou? Mais comment ça là? Mais ouais, ça va là. Ouais, tu m'as fait un petit peu le bordel, dis-moi là. Attends. Bah non, c'est mon petit déjeuner là. Ah, c'est ton petit déjeuner ça? Juste le petit déjeuner, genre quand tu te lèves. Mais il est 17h, Petit Caribou. Il est 17h. Mais tu sais pas. Ouais, t'as raison, non mais mange. Mais par contre, fais gaffe parce que tu sais, la bedaine et tout, ça peut très vite arriver, hein. Petit Caribou, je sais pas. Tu sais, normalement, la bedaine, c'est à la quarantaine, mais toi, t'as que 27 ans, je crois, alors faut te calmer un peu. Enlève-moi ça, là. Ok, bon, en plus, t'es en train d'énerver Sirius. On est du coup aussi avec Shulk. Shulk, mon fils, comment vas-tu? Ouais, le thème s'est levé. Ok, et Sirius, bien évidemment, comment vas-tu, mon petit Sirius? Bah non, mais moi, ça va pas, là, il fait que c'est n'importe quoi, lui. Ouais, c'est pas grave, il a le droit de manger, de toute façon, c'est Petit Caribou. Bon, bref, tout le monde, du coup, on a un petit problème dans le tunnel de la Villa Lestia. Moi, je vais aller voir ça de mes propres yeux, parce que c'est arrivé ce matin, sans que j'entende rien, ni que je vois rien. En fait, c'est un peu bizarre, il y a quand même les rails et tout. On va commencer à se rapprocher un petit peu du poison, mais aïe, ah, ouais, ça brûle. Franchement, je ne peux pas m'y approcher, les amis, vraiment, je peux pas. C'est un portail? Bah j'ai l'impression que c'est un portail, mais en fait, ouais, voilà, fais gaffe, c'est du poison. Mais les amis, en fait, regardez, c'est pas du poison liquide, en fait. On dirait un mur de poison parce qu'il ne coule pas. Et la lave derrière, si elle coule, la lave, ok. C'est un mur de poison et de la lave normale. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ok, ça a rien fait. Ah, refais Sirius ce que t'as fait. Sirius, refais ce que t'as fait. Attends. Attends un peu. Refais le même pouvoir, vas-y, j'attends. Mais les amis, regardez bien, on dirait qu'on voit la lave dès que Sirius fait ça. Ça traverse les éléments. Vas-y, refais quand tu veux. Bon, vas-y, sérieux, j'attends, c'est un petit peu long, là. Ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y. Ok, ouais, les amis, on voit bien la lave, hein, derrière. On la voit très, très bien. En fait, donc, il y a deux couches. De quoi? C'est pas vraiment... En fait, c'est un pouvoir, en même temps, pas. C'est juste pour bien contenir mon énergie. Oui, mais c'est en fait, c'est les auras de force. Même moi, je l'ai. Bon, je l'ai pas souvent sur moi. Je l'ai même jamais montré, je crois. Mais les auras de force permettent aussi à montrer les couches qu'il y a. Et après, ça nous donne de l'énergie. Bon, bref, les amis, n'empêche, vous voyez, hein, ici, ça n'a pas été touché, il n'y a pas de rail. Alors moi, ce que je vous propose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que, bon, on va attendre qu'il commence à faire nuit. On voit un petit peu les différentes heures. Si à 20h, il y a quelque chose qui apparaît, ou si, par exemple, à 2h du matin, 3h, bon, bref. Je pense, moi, à 3h. À 3h. Moi, je pense aussi qu'à 3h, il risque d'y avoir quelque chose, parce que, les amis, on connaît 3h du matin. 3h du matin, je le rappelle, pour les nouveaux, 3h du matin, c'est l'heure du démon. Et qui dit démon, dit aussi monstre. Alors, on sait jamais, si jamais les rails de ce train contiennent un monstre, eh ben, ça sera sûrement 3h du matin. Bon, bref, tout le monde, nous, en attendant, on va aller faire des petits jeux. Et ce qu'on fait, les amis, on fait une petite ellipse. On se retrouve juste après, quand il sera temps de reprendre les caméras en main. C'est parti. Oh, les amis, c'est bon. Du coup, il me semble qu'il est à peu près 20h, 21h, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a une horloge sur lui, par hasard? T'en as une, Shulk? Oui, tiens. Parfait, quelle coïncidence. Quelle heure? 23h, déjà? Ah oui, il est déjà 23h. Regardez, Petit Caribou, il est en train de tout manger. T'as un gros porc, Petit Caribou. C'est abusé. Bon, bah, bref, les amis, je pense quand même qu'il y a moyen qu'on puisse regarder un petit peu les caméras. Regardez, attendez, je vais me mettre dans le canapé. On va prendre la caméra numéro 3. Hop. Oh, regardez, les amis.
Qu'est-ce que... Il y a un truc dans le tunnel là-bas. Quoi? Mais attendez. Attendez. Il est parti. Attendez, attendez, il y avait quoi, je sais pas, faut que j'en ai le cœur net. Est-ce que ça se dit, faut que j'en ai le cœur net? J'en sais rien, on s'en fout. Bref, les amis, attendez, il y a bien un truc dans le tunnel là. On a bien vu un truc. Bah, y a rien, l'autre. T'es fou, c'est je vous jure, sur la caméra, j'ai vu un truc. Les abonnés peuvent vous le dire en commentaire, j'ai vu un truc sur les caméras. Les amis, convainquez petit caribou en commentaire là que j'ai vu un truc parce que j'ai l'impression qu'il me croit pas trop, mais. Attendez, aïe, ah non, non, je peux toujours pas me rapprocher. Mais waouh, mais attendez, c'est. Moi, j'ai dû finir de manger. Non, mais apparemment, c'est un truc qui ne craint pas le poison et qui peut passer cette chose. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais les amis, waouh, j'ai envie d'en avoir le cœur net, franchement, je veux trouver quelle est cette chose. Je sais, si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire, vraiment. Il y a plein de choses à me dire en commentaire, mais il y a plein de choses que je peux ne pas savoir. Alors dites-moi si vous avez une idée de qu'est-ce que ça peut être. Bon, vous savez quoi? Nous, on va se retrouver à 3h du matin. 3h du matin, pile. Et je pense vraiment qu'il va y avoir un truc à 3h du matin. Parce que petit caribou nous a prévenu quand même tout à l'heure hein, qu'il y aurait sûrement un truc. Alors, vous allez tous vous coucher. Parce que, bah, encore toi, petit caribou, tu fais ta vie, je m'en fous. Mais les enfants, vous allez vous coucher. Vous, faut aller dormir. Non, tu vas dormir sur... Et toi, range-moi ces pizzas. Stop les pizzas, là, j'en ai marre. Tu vas trop grossir. Oui, bon, attends, c'est la première fois que tu manges autant, faut que tu t'habitues un petit peu à y aller doucement, quoi. Non, je veux pas de gâteau, je veux pas de gâteau. Reprends-le. Bon, tout le monde va dormir. Nous, les amis, on se retrouve à 3h du matin à voir si on voit quelque chose. C'est parti, let's go. Relatim, c'est bon, du coup, on y est. Il est 3h du matin, vous le voyez sur l'horloge derrière moi. Il est pas 3h01, il est 3h du matin. J'ai vraiment pas attendu parce que c'est vraiment 3h l'heure du démon. Du coup, on va pas attendre, on prend la caméra, c'est parti. Allez hop, numéro 3. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, pour l'instant, je n'ai pas l'impression de voir grand chose dans le tunnel. On va attendre un petit peu, voir. Bon, bah, il y a rien. Je vais peut-être regarder un peu les autres caméras, c'est étrange quand même. Regardez ça. Qu'est-ce que... C'est... Non. C'est Thomas le train. Ok, apparemment, ça a réveillé Sirius. Qu'est-ce que... Les amis, il y a Thomas le train. Attendez, ne me dites pas qu'il va se diriger vers la maison. Wow, attendez. Il va où? Non, je suis trop loin pour la caméra numéro 2. Attendez, faut que je me rapproche de l'entrée de la maison pour prendre la caméra. C'est parti, let's go. Si Thomas le train est à 3h du matin, c'est forcément qu'il est méchant. Sirius, t'étais censé dormir. Attendez, on va aller du coup dans la forêt. Caméra numéro 2. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose dans la caméra numéro 2? Apparemment, je peux pas la bouger. J'ai vraiment aucun contrôle pour bouger la caméra numéro 2. Ok, si c'est bon, les amis, j'arrive à reprendre le contrôle de la caméra. Je pense que bon, je vais bloquer. Ok, regardez, il est juste là. Il va où? Les amis, qu'est-ce qu'il fait, Thomas le train? Mais je sais vraiment pas. C'est très très étrange. Ok. Ouais, il doit descendre. Ok, je vais prendre la caméra numéro 1, voir si on voit quelque chose. Ouais, si, regardez, il est là-bas. Il est juste là. Il va vraiment doucement, hein, mais je sais pas où il va. C'est assez bizarre. Ok, tant qu'il attaque pas la Villa Lestia, moi, ça me va. Il a l'air de sortir, assez étrange. Faudrait pas qu'il aille en ville, hein, quand même. J'aimerais qu'il aille pas en ville. Ok, c'est ce qu'il va faire. 100%, c'est ce qu'il va faire. Faut que j'essaye de le retrouver avant qu'il ne parte. Allez, c'est parti. J'ai vraiment... Je veux voir aussi s'il est vraiment méchant, parce qu'il m'a pas l'air d'apparence très méchant, hein, comme on peut le voir sur la miniature de la vidéo, si celle-ci est sortie parce qu'il s'est passé quelque chose. Attendez, on va passer par là, Il est où? Les amis, il est où? Ah non, je l'ai perdu de vue. Non, il est plus là. C'est quoi? Non, c'est pas possible. Attendez, je vais passer sur cet arbre-là. Pour tous les nouveaux, je vous rappelle que moi, étant donné que j'ai plein de pouvoirs, je peux voler, hein, bien évidemment. Hop. Ouais, non, les amis, il m'a échappé, je ne le vois plus. Qu'est-ce que tu fais là, Sirius? Ok, bon, bizarre. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de remonter, voilà. Hop. Allez, c'est parti. Moi, en fait, les amis, ce que j'aimerais faire, je vais réveiller toute la famille et on va prendre... Qu'est-ce qu'il fait encore? Bon, bref, on va prendre la voiture et on va essayer d'aller en ville. On va aller en ville et voir si vraiment il se passe quelque chose, si Thomas le train est là-bas. Et si oui, qu'est-ce qu'il veut, en fait? Bon, les amis, nous, on va aller prendre la voiture. Ah, ok, Océane est réveillée. Bah, je t'ai pas réveillé. Je pense que c'est le bruit qui t'a réveillé plutôt, mais en tout cas, c'est pas moi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, petit caribou? Mais c'est quoi que tu vois avec des hallucinations là? Parce que c'est pas des hallucinations, j'ai juré, je suis clean, vraiment je suis ultra clean. Si vous avez compris les amis, je vais pas détailler. Bon bref, est-ce que quelqu'un sait où est la voiture par hasard? Poste de base, je la mets là. Bah comment dire, en fait la dernière fois tu vois je t'ai emprunté, tu vois je t'avais demandé. T'as emprunté la voiture? Mais non, tu m'as pas demandé Sirius, tu m'as pas du tout demandé. T'es un enfant, tu n'as pas à prendre la voiture.
Bon, elle est où? Mais j'ai plus de cours. Je l'ai garée sur le toit. Sur le toit? Mais qu'est-ce que... Non, mais les amis... Attendez, hop, j'essaye de grimper doucement. Ouais, mais les amis, ça y est, bon, vas-y. On va monter dans la voiture. Attendez, je la descends. Vous allez tous pouvoir monter dedans. Allez, montez tous dans la voiture. S'il n'y a pas assez de place, au pire, petit caribou, tu prends une moto, je sais pas quoi. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Moi, j'y vais. Vas-y, Sirius, toi, tu voles. Sirius, tu voles. Non, toi, tu prends pas la moto, Choul. Monte dans la voiture, Vous êtes des enfants, vous n'allez pas prendre la moto. Allez, c'est parti, les amis. Ça fait trop mal. On va commencer à aller du coup dans la ville. Alors, une fois que je serai dans la ville, je n'aurai plus accès aux caméras. Elles sont beaucoup trop loin. Alors, ça servira à rien de chercher si Thomas le train est revenu. Bref, nous, on va commencer à avancer. Je pense Thomas le train, c'est où qu'il pourrait aller? En plein centre-ville, je pense. Il va pas aller dans la banlieue de la ville. Ça lui servirait à rien. Et Calo? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, petit caribou? Tu as engagé un caribou de garde au cas où. Un caribou de garde. Bah, si ça te fait plaisir, ok, les amis, on a le magasin de jouets juste à côté. On fait une petite ellipse, on se retrouve quand on sera en plein centre-ville et qu'on aura trouvé quelque chose. Ok, re les amis, du coup, je vous reprends parce que j'ai entendu des bruits de chouchou. Vous voyez ce que je veux dire? Des bruits de train pas très loin. Alors, je pense que Thomas le train ne doit pas être très. Il est là, les amis. C'est attendez. Quoi ça, loup? Pourquoi ils font sur moi? Pourquoi ils font sur moi là? Attendez. Partir, on est d'accord, il est en train de foncer sur nous là. Attendez. Ah oui, je regarde. Hein. Ouais, il fonce sur nous. Ok, les amis, il y a Thomas le train, il fonce sur moi. Wow, mais pourquoi? C'est pourquoi? Attendez, on va tourner à gauche. Faut que j'aille plus vite, Est-ce qu'il est toujours derrière? Wow, il se rapproche un peu dangereusement, je trouve. Sirius, ne te bats pas encore. On va essayer de trouver un endroit plus calme pour se battre. On va passer là. Je sais pas si lui, il peut y passer. On se commande dans une maison, Lo. C'est pas très grave. Non, on va pas dans une maison. Non, il faut se battre. Vas-y, on va essayer de contourner et de le retrouver. Et dès qu'on le voit par derrière, on essaye de descendre la voiture et du coup, de le taper. Hein. Bah, moi, j'ai mes pouvoirs, mais vous, vous prenez vos mains, tout ce que vous voulez. Il est où, Thomas le train? T'as pas du tout réussi à le bloquer, là. Attendez, je vais essayer de retourner là-bas. Ouais, bah ça a rien fait apparemment. Du moins, Thomas le train, il a disparu. Je sais pas où il est. On va aller là. Attendez, on va passer à droite. Je vais remettre dans tes hallucinations encore. Non, mais là, vous l'avez vu, Thomas le train. Je suis pas bourré, vraiment. Je crois que tu nous emmènes dans des hallucinations et puis voilà. Mais quelle hallucination? Bon, attendez, les amis, je retrouve pas Thomas le train. C'est bizarre. Pourtant, il doit pas être très très loin. Bon, c'est assez étrange. Je vois pas où il peut être. Bizarre. Les amis, il va super vite. Ok, on va se garer, je vais pas me garer, je vais laisser la voiture, on va se battre. Ok, let's go, tout le monde descend, c'est parti. Ok, essayez de le frapper, je sais pas si vous avez des armes. Oh, les amis, mais regardez sa vitesse, quoi. Il est ultra rapide. Ouais, il essaye vraiment de nous tuer, je pense. Désolé, Sirius, désolé. Oh, il fonce sur vous, faites attention. Ouais, il est ultra chaud, les amis. Mais il veut vraiment m'écraser, c'est pas incroyable. Attendez, hop, on essaye boule de feu majeur. Ça fait rien du tout. Éloignez-vous quand il vous fonce dessus, soyez pas bête, faut que vous mettiez sur le côté un peu. Pas comme ça, par exemple, Océane. Non, mais voilà, les amis, en même temps, comment vous que je le fasse? Ok, let's go. C'est chaud. Let's go. C'est bloqué. Allez-y. Wow, les amis. Attendez, il est en train de partir, je crois. Il part. Prenez la voiture, tout le monde dans la voiture, on va le suivre. Il va aller au secours. J'ai l'impression qu'il est en train de nous fuir. Tout le monde dans la voiture, on va le suivre. Go. Est-ce que tout le monde y est? Océane, t'es où? Elle est là. Ok, parfait. Il est parti par où? On prend feu, attention. Ok, ouais, les amis, regardez, on prend feu. Bon, moi, ça me fait rien, mais les autres, ils doivent un petit peu avoir mal. Il est parti où? Attendez, faut le retrouver. Il est parti par là, Par là où? Gauche ou droite? Là-bas. Attendez, vas-y, j'avance. Tu vas aller tout casser, l'on met. Gauche, droite. Droite, allez, c'est parti. Là, je sais pas. Bon, les amis, j'ai l'impression d'avoir perdu. Il est là. Ouh, je l'avais pas vu, comment j'ai fait? Attendez, faut que j'aille sur le côté, j'essaye de le suivre. Bombardez-le à fond. Il va où? Ok, il tourne. Ok. Un arrêt, c'est quoi ça en fait? C'est pour passer l'autoroute, un peu bizarre. Ouais, les amis, je pense qu'on va faire une petite ellipse et on va se retrouver quand il aura fait son trajet. Parce que là, sinon, je pense que ça va être assez long. C'est parti. Bon, les amis, c'est étrange parce qu'il est revenu à la Villa Lestia. Tant qu'il va pas dans la maison, en fait, ça me dérange pas. Je vais quand même le suivre un petit peu, voir. Attendez. Est-ce qu'il retournerait pas dans le portail par hasard?
Eh, tout le monde, bombardez-le là. Tuez-le. Ouais, faut tout faire pour le tuer. Allez-y, bombardez à fond. J'ai pas envie qu'il retourne dans le portail. Quelle grenade, non. Ok, tout le monde descendez de la voiture. On va essayer de le bloquer. On va le bloquer. Let's go. Attendez, disque de foudre. Allez, c'est parti. Il a pas l'air de bien craindre. En même temps, c'est du métal, alors c'est chaud. Il va y aller, les amis. Non. Faut surtout pas qu'il y aille. Non. Aïe. Non. Il est parti. Comment on va faire? Vas-y, viens là. Qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Non, il est parti. Bon, bah, on pourra pas le bloquer. Ce que je vais faire, moi, je pense, c'est qu'il va sûrement revenir les autres nuits. Alors, je vais condamner l'accès de cette route. Je vais la recondamner, mais très, très vénère, avec de la bedrock, vraiment tout ce qu'il faut pour pas qu'il puisse passer. Et voir s'il pourra quand même persister, s'il y aura d'autres vidéos dessus. Vous savez que Thomas le Train revient. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos avec Thomas le Train, si vous aimez ce personnage ou si vous en préférez d'autres, parce qu'en ce moment, je suis un peu à sec niveau personnage, vous voyez. j'ai plus trop d'idées. Bon, bref, les amis, nous, on va se quitter là sur cette vidéo. Un grand merci à tous les acteurs pour avoir participé à cette vidéo. Il y avait Natsuko, il y avait Salokin, Moonwolf, Idash, ainsi que Enoti. Toutes leurs chaînes sont bien évidemment en description. N'hésitez pas à les checker, ça me ferait super plaisir. Vous connaissez la chanson. Moi, je vais m'occuper du cas de Thomas le Train tout seul. Je vais laisser la famille en dehors de ça. Merci, Shulk, d'arrêter de me tirer dessus. Je ne crains pas les balles. Bref, sur ce, les amis, je vous dis portez-vous bien. À la prochaine. Ciao à tous. We'll be right back.